Ce soir, parce qu'il nous a permis de nous réunir. Je vous reçois, vous tous qui êtes connectés, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Bonsoir, bonjour, cela dépend de l'heure à laquelle vous êtes connectés dans votre pays. Que le Seigneur vous soit favorable. Shalom dans vos maisons. Amen. Que ce moment soit un moment bénéfique pour tout un chacun, vous qui êtes sur Facebook, sur Instagram. Nous allons passer un moment merveilleux dans la présence du Seigneur. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous soit favorable, qu'il vous bénisse et que rien ne vous éloigne de ces instants d'adoration, de ces instants de prière d'intercession. C'est un moment de prière fort où nous savons que les chaînes vont tomber, où nous savons que l'Éternel étendra encore sa main pour bénir quelqu'un, pour délivrer une famille, Amen. Pour ouvrir Amen. Une porte qui est fermée, Amen. Pour fermer une porte qui est ouverte. C'est ça la spécialité de notre Dieu. Allez, c'est qu'il est impossible aux hommes. Est possible à notre roi. Amen. Soyez bénis, prenez vos Bibles, approchez-vous de ce moment de culte d'intercession. Alléluia, alléluia. Que chacun de vous soit bénéficiaire de ces instants, car c'est un moment béni. Alléluia. Amen. Amen. Oh, Amen. Jésus Amen. De Nazareth. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de yes. Dieu. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a pris notre place, c'est lui qui s'est livré publiquement pour nous. C'est lui qui s'est sacrifié. La Bible nous dit aucun n'a été trouvé digne Alléluia. Si ce n'est lui. Il s'est fait homme et il est descendu pour nous délivrer, pour nous libérer et pour nous dire toi, la promesse est sur toi. J'ai besoin de toi ce soir. Toi qui es connecté ce soir, j'aimerais te dire que le Seigneur a besoin de toi ce soir. Oh, durant toute cette journée, j'ai passé mon temps à lire une écriture qui m'a beaucoup fortifié aujourd'hui, parce que je me posais les questions, je disais, le Seigneur a besoin de toi. Qu'est-ce que cela veut dire réellement? Le Seigneur a besoin de toi. Et je suis arrivé à la conclusion, je me suis dit, c'est tellement simple. Au lieu de chercher mille et une questions, ton roi simplement a besoin de toi, réponds présent et humilie-toi à sa volonté. Amen. Voilà pourquoi je vais vous demander d'ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 16, au verset 10. En me posant multiples questions, j'ai compris pourquoi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es retenu quelque part, quand le Seigneur a besoin de toi, on enverra même quelqu'un te chercher là où tu es, parce que le maître a besoin de toi. Yes. Voilà pourquoi je vais vous demander de prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, au verset 10. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Isaïe fit passer sept de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe,
L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Alléluia. Et j'aimerais te dire, j'aimerais m'arrêter là déjà parce que on en a tellement longuement parlé le dimanche. Et j'aimerais simplement que quelqu'un qui est connecté ce soir puisse adorer celui qui l'a choisi. Il peut passer 1000 personnes devant de toi, 10 000 devant de toi. Mais quand le Seigneur t'a choisi, toi, c'est celui-là, c'est toi qu'on va délivrer. Vous savez, David, pendant qu'il était en tant que berger des brebis, il pensait que c'était un supplice peut-être qu'on avait donné par ses parents de pouvoir élever alors que tout le monde était, comment je peux dire, il vivait bien sa vie chez lui à la maison. Mais lui, il y a une chose que le Seigneur il sait. Quand il dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Amen. Il connaissait les projets qu'il avait formés sur David. Voilà pourquoi David, il pouvait passer par là. Voilà pourquoi David, il devait passer par ces moments-là. Et je comprendrai plus, je comprends plus tard. Pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Parce que lui-même, il fut un berger auparavant. Il fut un berger et il sait c'est quoi être un brebis. Il sait c'est quoi être un véritable berger. Et j'aimerais te dire ce soir, toi qui es attaché quelque part, le Seigneur a besoin de toi. 1000 peuvent passer, mais dis-toi que 1000 et une diront, non, c'est pas lui, c'est lui que j'ai besoin. Toi qui es connecté ce soir, le Seigneur a besoin de toi. Ce soir. Il t'a choisi pour nous suivre ce soir. Il t'a choisi pas pour nous suivre nous, parce que pour nous suivre lui, parce que c'est lui qui va parler ce merci, soir. Éternel, voilà pourquoi j'aimerais que tu commences à adorer celui qui t'a choisi. Jésus de Nazareth, merci. Que tu commences à élever le nom de celui qui t'a choisi, merci, de celui qui t'a béni, de celui qui t'a dit j'ai besoin de toi ce soir. Ta présence. Oh, alléluia. Merci Majesté. Merci, cette écriture nous fait du bien. Merci. Alléluia. Alléluia. Oh. Je n'ai choisi aucun d'eux. Yes, 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 yes. Alléluia, oui, oui, le Seigneur est celui qui a pris David derrière les troupeaux. Alléluia. Qui a pris David derrière les brebis. Il l'a pris derrière dans la boue. Alléluia. Il l'a pris dans la saleté. Alléluia. Il l'a pris dans un endroit reculé, dans un endroit où les gens ne le voyaient pas. Yes. Dans un endroit où il n'était pas apprécié des gens. Il n'était pas vu des gens. Dans un endroit où il était éloigné, dans un endroit où il était abandonné. Mais Seigneur de gloire, c'est toi qui as veillé sur lui. C'est toi qui as porté ton choix sur lui, Seigneur. Merci pour le choix, ô Dieu Tout-Puissant, que tu as porté sur quelqu'un ce soir. Merci pour le choix que tu as porté sur quelqu'un ce soir. Merci pour ce choix, bien-aimé. Nous bénissons ton nom, Seigneur de gloire. Alléluia. Toi, tu nous vois, même si le monde ne nous voit pas. Voilà pourquoi toi, tu nous choisis, même si le monde ne nous choisit pas. Seigneur, ton choix est le plus important. Ton choix est primordial. Le choix des hommes ne me concerne pas, Seigneur. Mais ton choix à toi, ô Dieu, sur ma personne, c'est ce qui est important. Ô bien-aimé, le Seigneur t'a choisi ce soir. Il t'a choisi en ce moment. Il veut que tu t'élèves pour l'adorer, le célébrer ce soir. Tu es le choix de Dieu, toi qui es connecté, toi qui es connecté, la famille qui est connectée, la personne qui est connectée, mon frère, ma soeur, toi qui es connecté, c'est pour adorer le Seigneur. Yes, oh, la Bible déclare qu'il cherche, il est à la recherche des adorateurs, alléluia, de celui qui l'adore en esprit et en vérité. Et il te cherche, il a besoin de toi. Voilà pourquoi, oh Dieu, ce soir tu es connecté. Voilà pourquoi, oh, ce soir tu es connecté pour que tu puisses adorer l'Éternel, yes, pour que tu puisses célébrer l'Éternel, pour que tu puisses élever l'Éternel, parce que tu es son choix. Amen, tu es le choix amen, de Yahweh, amen, tu es le choix du Seigneur de gloire. Élevons nos voix là où nous sommes, bien-aimés. Tu n'es pas là pour m'entendre prier. Alléluia. Non, 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 toi aussi élève ta voix, parce que si je suis le choix de Dieu, tu es aussi le choix de Alléluia. Dieu. Oh, parmi tant d'autres, il t'a choisi. Il t'a choisi. Alléluia. Il t'a aimé. Alléluia. Yes, yes, et il est mort yes, à la croix pour toi. Il dit à son père dans une des prières, il dit, tout ce que tu m'as donné, je ne perdrai aucun. Amen. Aucun d'entre je eux. Amen, tu ne seras pas perdu, mon frère, yes, ma soeur. Dieu ne peut te perdre. Alléluia. Les autres, c'est le choix des hommes. Ils amen, peuvent avoir amen, du succès amen, là amen, où ils sont. Ils peuvent avoir des promotions dans leurs entreprises. Ils peuvent avoir de la visibilité comme on veut aujourd'hui. Alléluia. Mais sache que c'est le choix de Dieu qui est le plus important. Amen. Ce choix te conduira jusqu'au ciel. Ce choix te conduira jusque dans sa présence. Ce choix t'amènera de l'Égypte jusqu'à Canaan, la terre promise. Alléluia. Oh Seigneur de Tout-Puissant, merci Éternel. Merci. Oh merci, Dieu, merci, Éternel. Merci, merci, mon âme vient te bénir. Alléluia, 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 alléluia. Mon âme vient t'exalter. Mon âme vient te magnifier, Seigneur. Oh, oh, tu es le même.
Oh, sois béni, Père éternel. Sois béni, Père éternel. Sois béni. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce soir? Nous avons vu que quand le Seigneur entrait à Jérusalem, oh, tout le monde criait Hosanna, Hosanna à celui. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu qui peut adorer son Dieu? Là où tu te trouves, tu peux élever ta voix. Comme si le Seigneur rentrait chez toi à la maison. Comme si le Seigneur voulait entrer chez toi. Mets le vêtement au sol et écris, Seigneur, crie, crie à lui ce soir. Crie à lui ce soir. Tu dis, Seigneur, mais voici, viens monter sur moi. Mais voici, Seigneur, viens monter même sur dans moi. Tes commentaires, alléluia. Hosanna à celui qui veut le nom de l'Éternel. Alléluia. Dans alléluia. Tes commentaires, tu peux commencer à dire alléluia. Hosanna à celui qui vient au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oh, tu adores celui que tu connais. Celui qui te maintient en forme. Hosanna. Celui qui t'accorde la santé. Hosanna. Tu peux toi aussi dire ce soir Hosanna, fils du Très-Haut. Hosanna, fils du Très-Haut. Parce que tu as pu voir les jours. Tu peux te lever, bondir et crier de toutes tes forces. Hosanna, fils du Très-Haut. Parce que la santé est sur toi. Parce qu'il t'a choisi ce soir. Il a dit, je choisis aucun d'eux. Celui que j'ai besoin, il est là-bas derrière. Dans la boue tu étais, il t'a vu. Il t'a dit, viens suivre les directs ce soir. Là où tu étais, il t'a vu. Il t'a dit, viens participer avec moi. Parce que ce soir, j'ai besoin de toi. Il a besoin de chacun. J'ai besoin de toi. Oh, bien-aimé, je suis dans la joie. Je suis dans la joie ce soir. Oh, un Dieu super parfait. Assis choisir moi. Un homme parfait. Oh, quel plaisir. Alléluia. Bien-aimé, la parole déclare qu'il a dit, parce que les pharisiens qui étaient là ont commencé à dire, maître, dis à tes disciples de se taire. Alléluia. Se taire. Les pierres s'élèveront. Alléluia. Pour crier. Alléluia. Oh. Le Seigneur a besoin de ton cri du cœur ce soir. Amen. Que tu l'adores, que tu le célèbres, mais qu'on te dise pas non, il faut prier Dieu silencieux. Non, non. Là, les gens étaient en train de crier. Alléluia. Et on a dit au Seigneur, dites-leur d'arrêter de crier. Le Seigneur a dit, si s'arrête, moi j'ai besoin de ces cris-là. Amen. Même les pierres. Amen. Les pierres s'élèveront pour crier à l'Éternel. Oh, j'aimerais entendre quelqu'un crier à l'Éternel. Alléluia. J'aimerais entendre quelqu'un dire Hosanna à celui qui vient au nom de l'Éternel. Hosanna, Hosanna au fils de David. Hosanna au fils du Très-Haut. Hosanna à celui qui marche au milieu de cette chandelier d'or. Hosanna à celui qui dit un mot, la chose arrive. Hosanna à celui qui n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Hosanna au créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Hosanna, Hosanna au Dieu d'Abraham. Amen. Alléluia. Amen, il lui a donné une progéniture dans sa vieillesse. Alléluia. Hosanna, Hosanna au Dieu d'Isaac, qui l'a rendu riche. La Bible déclare qu'Isaac est devenu fort riche. Lorsqu'on parlait de la richesse, on voyait Isaac. Amen. Hosanna, Hosanna au Dieu de Jacob. Amen. C'est cela même qui lui a donné. Qui a changé son nom de Jacob à Israël. Amen. Le père d'une multitude. Le père d'une. Oh, alléluia. Amen. Oh, Jésus de Nazareth, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Le Dieu de Moïse, celui-là même qui a marché avec Moïse, qui lui a dit frappe le bâton. Oh, alléluia. Avance, avance. La mer où s'est séparée en deux. Bien-aimé Père éternel, la mer où s'est séparée en deux ce jour-là. Vous jamais vu. Il est celui qui fraye un chemin dans le désert. Par ton adoration, bien-aimé, les portes vont commencer déjà à s'ouvrir. Par ton adoration, ma soeur, mon frère, les portes vont commencer déjà à s'ouvrir. Parce qu'il est le spécialiste, il est le Dieu qui ouvre les portes fermées. Amen. Alléluia. Amen. Les portes de prison peuvent commencer déjà à s'ouvrir. Oh, souviens-toi de Paul et Silas. Oh. Ils se sont mis à adorer Dieu. La Bible dit là qu'ils adoraient à haute voix. À haute et tous voix. Les prisonniers les entendaient les adorer. Sont alléluia. Oh, alléluia. Oh, et Dieu. Les fondements de prison se sont ébranlés. Amen. Non, on n'a pas dit que la prison s'est ébranlée. Non, non, non. Les fondements de la alléluia. Prison. Et je te dis que les fondements de ce qui te retient peuvent s'ébranler maintenant. Oh, peuvent être ébranlés maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Jésus. Mais pourquoi? Parce que tu es en train d'élever Jésus. Parce que tu es en train d'adorer Jésus. Laisse-moi dire lorsque tu élèves Jésus, c'est-à-dire que tout ce qui a été élevé dans ta vie se rabaisse. Alléluia. Tout ce qui a été élevé, ça baisse. Pourquoi? Parce que tu es en train de reconnaître la Seigneurie du Seigneur de gloire. Amen. Alléluia. Oh, Hosanna. Merci. Oh Jésus. Merci, merci, merci.
Merci. Oh, oh, j'aime ces cantiques. Alléluia. Oh, my. Oh, viens de dire, c'est lui. Moi, j'aime dire, Christ est la porte. Alléluia. Parce que c'est lui, il détient toutes les serrures entre ses mains. Il décante toutes les situations. Dans Jean 10, le Seigneur dit, je suis la porte. Il n'a pas dit non, il a dit, je suis la porte. Alors, rien ne peut te retenir. Il est la porte de toutes choses de David. Appelle l'Éternel, crie à l'Éternel à haute voix, crie à l'Éternel, les cris du cœur, c'est cela que l'Éternel veut entendre ce soir, l'adoration qui lui est due, l'adoration qui lui est réservée, c'est cela qu'il veut entendre ce soir. Oh, mon âme te loue, Seigneur. Mon merci Jésus, Seigneur. Merci Jésus. Mon âme t'exalte, Seigneur. Car tu es digne d'adoration. Alléluia. Tu es digne de louange. Tu es digne de magnificence. Tu es digne, tu es dans le lieu très haut tu es. Alléluia. Tu es béni d'éternité en éternité. Merci Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. La lumière qui brille dans les ténèbres. La Bible déclare un peuple assis dans les ténèbres voit une grande lumière s'élever. La même Bible nous dit lève-toi car ta lumière arrive. Lève-toi dans l'adoration. Lève-toi dans la célébration. Lève-toi et bénis le nom de l'Éternel. Je ne connais point d'autre Dieu que toi. Je ne connais point d'autre Dieu que toi. Les saluts entre le mar de l'Éternel. Il est le sauveur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et tu es le Dieu de la cité du Dieu vivant. Ici, nous t'adorons. Ici, c'est des myriades qui célèbrent le cœur des anges. Ici, c'est l'adoration et la louange au seul et unique Dieu. Ici, Seigneur Père éternel, c'est toi qui es Dieu. Et ce soir, Seigneur Père éternel, nous ne pouvons te remplacer, Seigneur. Nous ne pouvons te remplacer, Jésus. Tu règnes d'éternité en éternité. Nous ne pouvons te remplacer, Jésus. Tu règnes d'éternité en éternité. Viens au Seigneur et prends contrôle. Prends contrôle de ces instants. Prends contrôle de ces instants. Viens au Jésus et prends contrôle ce soir de tout ce qui se passe en ces lieux, Seigneur. Prends contrôle ce soir de tout ce qui se passe en ces lieux, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, est-ce que le peuple de Dieu peut s'humilier devant de sa présence? Merci. Est-ce que ce soir nous pourrions nous humilier devant de sa présence? Oh, nous avons vu que Zacharie l'a dit, il est humble et il monte sur un anneau. Oh, il est humble et il... Est-ce que quelqu'un peut s'humilier au devant de sa présence ce soir? Est-ce que quelqu'un peut humilier son cœur au devant de sa présence ce soir? Est-ce que quelqu'un peut se prosterner son âme, prosterner ses pensées devant l'Éternel Tout-Puissant? C'est lui qui me soutient. Oh Dieu, me voici au devant de toi. Oh, humblement Seigneur, je m'approche de toi. Alléluia. Humblement, je m'approche de toi, oh Dieu. Je fléchis mes genoux car tu es majesté. Je fléchis mes genoux car je reconnais ta grandeur. Oh Yahweh, je sais qu'il faut que je m'humilie. L'âne n'a pas discuté. L'âne n'a pas émis sa volonté. C'est la volonté de Dieu qui l'a conduit jusqu'à Jérusalem. Moi, j'aimerais te dire ce soir, Seigneur, tu as besoin de moi, mais voici. Et laisse-moi t'adorer comme il se doit. Oh Seigneur, laisse-moi t'adorer comme il se doit ce soir. Laisse-moi élever ma voix comme il se doit ce soir. Je vais te célébrer comme jamais ce soir. Parce que c'est une joie pour moi. Zacharie dit, réjouis-toi, ô fille de Jérusalem. Je veux me réjouir ce soir dans la présence de Dieu. Je veux me réjouir ce soir. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à acclamer le Dieu? Là où tu es, tu peux commencer à l'acclamer. Acclame le Dieu Tout-Puissant. Acclame le Dieu Tout-Puissant. Parce que tu dois être dans l'allégresse, tu dois être dans la joie. Le Seigneur n'a pas choisi n'importe qui, il a choisi toi. Il a choisi toi comme Moïse de ta famille, il a choisi toi comme Joseph de ta famille. Alors comment ne pas élever ce Dieu-là? Comment ne pas adorer ce Dieu-là? Oh Dieu, me voici au devant de toi, Maître. Oh, avec un cœur prosterné au devant de ta sainteté, avec assurance je me rapproche de ton trône de grâce. Avec humilité, je me rapproche de ton trône de grâce. Seigneur, reçois les cris de mon cœur ce soir. Oh Seigneur, reçois les cris de mon cœur ce soir. Je viens m'humilier au devant de toi. Je viens m'abaisser au devant de toi. Je viens, Seigneur, afin que toi tu montes par-dessus de moi. Seigneur, j'aimerais te porter tel un étendard de gloire.
Oh, j'aimerais porter ton nom comme l'étendard de gloire. Parce que c'est toi, Seigneur, qui mérites la gloire. Oh, qui suis-je? Tout ce que j'ai vient de l'Éternel. Tout ce que je possède vient de l'Éternel. Pourquoi me réjouirais-je de ce que j'ai? C'est l'Éternel qui m'en a fait grâce. Oh, j'invite quelqu'un qui reconnaît la grâce de l'Éternel dans sa vie d'élever ce Dieu-là. Et de dire, Seigneur, merci parce que tu m'as fait grâce. Tu m'as fait grâce de pouvoir te connaître. Tu m'as fait grâce de pouvoir te craindre. Tu m'as fait grâce parce que tu m'as dit, j'ai besoin de toi. Et ce soir, je réponds présent à ton appel. Seigneur, je viens répondre présent. Parce que tu m'as appelé, je reconnais. Je sais, quand mon maître appelle, il n'y a rien qui peut me retenir. Il n'y a rien qui peut me retenir. Oh, bien-aimé, vous savez, Saoul était fortement tourmenté par des esprits. J'aimerais te dire que le maître de tout esprit, c'est celui qui a autorisé cet esprit pour tourmenter Saoul. Alors j'aimerais te dire ce soir, toi qui es connecté, réjouis-toi parce que le Seigneur a besoin de toi. Là où tu es attaché, peu importe par quel esprit, il y a le maître de tout esprit qui a besoin de toi. Et quand ce maître-là a besoin de toi, tu ne peux que répondre présent dans le nom de Jésus. Il n'y a rien qui ne peut te retenir. Rien ne peut retenir. Quand le Seigneur fait appel, tu ne peux que répondre présent. Oh Seigneur, je réponds présent à ton appel. Alléluia. Oh, regarde le cœur de quelqu'un qui s'humilie devant de toi, Majesté. Merci, Jésus de Nazareth. Répands ton onction. Répands ton esprit. Répands ta grâce sur la vie de quelqu'un qui est connecté ce soir. Oh, viens établir ton trône dans la vie de quelqu'un ce soir. Viens établir ton trône dans la vie de quelqu'un ce soir. Oh, tu as besoin d'eux, Majesté. Mais nous savons, nous avons vu Uzza. Uzza était mort simplement parce qu'il avait touché. Mais toi, tu nous as fait cette grâce d'être en nous. Nous sommes le temple de l'Esprit. Oh, Jésus. Alléluia, alléluia. Jésus, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi et comptons sur toi. Seigneur, répands ton onction et ton Saint-Esprit sur nous. Je vais demander à quelqu'un de demander à ce que le Saint-Esprit nous soit accordé. Que la présence du Saint-Esprit nous soit accordée. Que le Saint-Esprit descende et te remplisse. Que le Saint-Esprit descende et te remplisse. Que tes désirs, tes besoins, tes sentiments soient sous l'autorité du Saint-Esprit. Que quelqu'un demande au Saint-Esprit la plénitude de sa parole, la plénitude de l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, remplis quelqu'un là où il est chez lui à la maison. Remplis une famille. Remplis chacun de nous, Seigneur. Remplis quelqu'un qui est connecté. Remplis une sœur, un frère qui est connecté ce soir. Au Saint-Esprit de Dieu, sans toi, Seigneur Père éternel, sans le Saint-Esprit en nous, nous ne pouvons te plaire. Saint-Esprit de Dieu, l'esprit de vérité, l'esprit de clarté, l'esprit de puissance. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Saint-Esprit, viens habiter en nous. Saint-Esprit, viens guider nos vies. Saint-Esprit, viens te révéler à nous. Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit de Dieu, que chacun de nous, que celui qui n'a pas encore vécu sa Pentecôte, puisse vivre la Pentecôte ce soir. Car sur le mont Sion, alléluia, tu es descendu sous forme du Saint-Esprit. Oh, Seigneur, ce n'est pas comme si on était sur le mont Sinaï, où les gens avaient peur. Oh. Mais nous sommes sur le mont Sion. Et à Sion, tu descends dans l'allégresse. Oh, alléluia. À Sion, tu es rentré dans l'allégresse. Oh, yes. Tu n'es pas, ce n'était pas comme, Seigneur, sur le mont Sinaï. Sur le mont Sinaï, ils avaient peur. Oh. Sur le mont Sinaï, ils craignaient. Sur le mont Sinaï, il y avait des tonnerres. Oh, le peuple avait fui. Mais lorsque tu es rentré, Seigneur, monté sur un anneau, entra à Jérusalem, entra sur le mont Sion, dans la cité de David, dans la cité de Dieu, c'était une joie immense, un sujet d'allégresse. Et ce soir, bien-aimé, le Seigneur peut entrer dans ta vie, le Seigneur peut entrer dans ton foyer. Laisse le Seigneur diriger ton foyer, laisse-le diriger ton couple, laisse-le diriger ta vie de tous les jours. Dis au Seigneur, viens dans mon cœur. Et quelqu'un dit au Seigneur, viens dans mon cœur.
Je vais entendre quelqu'un lui dire, oh spirituellement, je vais t'entendre lui dire, viens dans mon cœur, viens diriger ma vie, viens régner en moi, viens contrôler toutes les choses. Au nom de Jésus, appelle le Saint-Esprit, appelle le Saint-Esprit, viens conduire. Viens diriger, viens parler, viens te révéler. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de révélation. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de révélation. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est le Saint-Esprit qui vient interpréter sa propre parole. Parce que j'ai toujours dit, il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on a voulu dire. C'est le Saint-Esprit qui sait ce qu'on a voulu dire. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, viens. Viens te révéler, Seigneur. Viens nous ouvrir encore l'intelligence ce soir. Que toute intelligence obscurcie soit éclairée ce soir. Nous voulons que, bien-aimés, lorsque nous allons donner des requêtes, que nous soyons tous dans la même longueur d'onde, que nous soyons tous au même diapason. Nous voulons être au même diapason ce soir avec le Saint-Esprit. Nous voulons être au même diapason avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui dit Abba Père. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui dit tout est possible. J'aimerais te dire pendant que nous allons prier, monte au diapason de Dieu. Monte au diapason de ton Père. Car ton Père est un aigle. Et nous sommes des aiglons. Nous volons à la dimension de notre Père. Monte aux dimensions des aigles. Monte aux dimensions des aigles. Afin que ta prière soit exaucée. Alléluia. Le Saint-Esprit est réel et est vivant. La Bible déclare que ceux qui s'approchent du Seigneur croient qu'il existe, croient qu'il est réel et qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh, mais si réellement tu le cherches, crois qu'il est réel. Ne venez pas faire, ne fais pas des prières de perroquet. Alléluia. Non, mais des prières révélées. Des prières révélées. Ne prie pas en te disant, oh, bon, je vais seulement prier pour que les gens voient que je prie. Non, 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 non. Nous prions avec les résultats. Alléluia. Parce qu'il a dit que ceux qui s'approche de moi croit que j'existe. Alléluia. Et qu'il est le, rémunérateur de ceux qui il est le rémunérateur, c'est-à-dire qu'il paye. Amen. Lui, il n'est débiteur de personne. Il n'a pas de non, il n'a pas de dette de quelqu'un. Yes. Si tu pries, il va le faire. Alléluia. Il est le Seigneur qui répond. Alléluia. Mais crois en Dieu. Amen. Crois qu'il est la réponse. Il est la solution. Il est le médecin de médecins. Ne doute pas de sa capacité. Non. Je vois quelqu'un en train de monter dans la dimension des aigles. Ne doute pas de la capacité de Dieu à. Parce qu'il s'est accompli. C'est l'année d'accomplissement dans la cité de Dieu vivant. Cette année, c'est l'année d'accomplissement. Il est un Dieu qui accomplit toutes les promesses faites à ses enfants. Amen. Mais il ne peut pas proclamer quelque chose et ne pas l'accomplir. Alléluia, oh my God. Alléluia, lorsqu'il a dit que la lumière soit, il savait que la lumière apparaîtra. Peu importe le temps, la lumière devait apparaître. La lumière devait jaillir de quelque part. Et que la lumière soit, et la lumière fut. Il est Dieu. Et ce soir, bien-aimé, si tu es dans la dimension, au diapason du Créateur, ce que tu diras s'accomplira. Ce que tu diras s'accomplira. Oh Josué, je vois Josué dans la dimension, dans le même diapason que le Créateur. Alléluia. Il a dit, oh soleil, arrête-toi. Dans la dimension, alléluia. Oh, c'est ça, c'est ce que Dieu veut nous voir. Avancer, et ne pas reculer. Parce que notre Seigneur ne recule pas. Yes. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Que la gloire lui soit rendue. Alléluia. Oh bien-aimé, alléluia. Merci. J'aimerais dire à quelqu'un, prépare-toi. Prépare-toi parce que le Seigneur va te faire du bien. Amen. Moi je ne crois pas que le Saint-Esprit n'est jamais monotone. Ce que tu as vécu hier avec le Saint-Esprit, c'était hier. Aujourd'hui, alléluia, il veut encore faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il veut encore faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il veut encore se révéler dans ta vie. Il veut encore éclairer ta vie. Alléluia. Oh Seigneur, viens nous éclairer encore aujourd'hui. Viens nous éclairer encore aujourd'hui. Merci Jésus de Nazareth. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur là où il est? Alléluia. Oh, nous acclamons le roi, nous puissons le cri de joie là où nous sommes. Parce qu'il a dit, si vous ne le faites pas, les pierres s'élèveront et les pierres les feront. Mais c'est nous. Je suis une pierre dans la maison du Seigneur. Alléluia. Maja, Hosanna, 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 H
au nom de l'Éternel. Yes. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci, merci, merci. Merci Saint-Esprit. Il est le même hier. Nous avons lu, alléluia, dans Matthieu 21 le dimanche. Nous allons lire la même écriture dans Luc 19. Mais c'est la même écriture. Oh, man. Amen. Merci Jésus. Élevé, tu règnes à tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé. Il est élevé, notre Dieu. Alléluia. Au verset 28. Commençons au verset 29. Luc 19, 29. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, Luc 19, 29. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le-moi. J'ai dit à quelqu'un ce soir, c'est un soir où le Seigneur va te détacher de quelque part et l'attacher à t'attacher à lui. Amen. Il va te détacher de quelque part et t'attacher à lui. Quelqu'un peut dire avec moi, le Seigneur, détache-moi. Alléluia. Détache-moi et attache-moi à toi. Détache-moi à lui et attache-moi à toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. Si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur a besoin. Oh, quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, merci parce que tu as besoin de merci moi. Merci parce que tu as besoin de moi. Qui suis-je? Oh my God. Qui suis-je pour que tu aies besoin de moi? Le Seigneur a besoin de toi. Merci Seigneur. Ah, alléluia. Quelle joie. Ouh, le roi des rois a besoin de toi et moi. Quelle joie. Le verset 32, il dit, ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. C'est ça la réponse qui change. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Amen. C'est un soir de miracles également ce Amen. Soir. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans le lieu très haut. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, maître, réponds tes disciples. Et il répondit, je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crier. Amen. Nous ne pouvons nous taire face à la grandeur de Dieu. Amen. Nous ne pouvons nous taire face au miracle que le Seigneur fait pour Gloria. Nous. Nous ne pouvons nous taire face à la main puissante de Dieu. Gloria. Nous ne pouvons nous taire face à celui qui dit un mot, la chose oh, arrive. Oh, nous oh. ne pouvons nous taire. Bien-aimé, je disais le dimanche, écoutez, nous allons prier, commencer à prier maintenant. Lorsque Jésus arrive, il leur dit, allez dans le village qui est en face. Oh, dans le village en face, il y avait un anneau attaché. Dans le village en face, tu étais là. Dans le village en face, j'étais là attaché. Dans la vie, dans le village en face, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, tu étais là attaché. Attaché dans les liens héréditaires. Attaché dans les péchés. Parce que la Bible déclare, alléluia, la chose qui triomphe de toi, hey, a la victoire sur toi. C'est la chose qui triomphe de toi. Tu es esclave de ceux qui triomphent de toi. Alors, dans le village d'à côté, j'étais là, moi, attaché. Attaché et mes maîtres avaient les yeux sur moi. Alléluia, alléluia. Dans le village d'à côté, j'étais attaché, bien-aimé. Et Jésus savait, parce que lui, il est le maître des temps et des circonstances. J'aimerais dire à quelqu'un, les choses par lesquelles tu passes maintenant, le Seigneur est au courant. Amen. Mais aujourd'hui, il est venu. Alléluia. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé. Il a dit, va dans le village en face. Aujourd'hui, je suis rentré dans le village en face. Alléluia. Amen. Je suis rentré dans le village d'en face et pour te détacher, afin que tu sois libre. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, sois détaché. Sois détaché au nom de Jésus.
Rentre dans le village en face. Jésus te connaît, bien-aimé. Jésus ne vient ni avant ni en retard. Il est toujours à l'heure. Yes. Son rendez-vous avec Lazare n'était pas dans la phase de Lazare malade. Son rendez-vous avec Lazare n'était pas dans la phase de Lazare enterré après un jour. Son rendez-vous avec Lazare était le quatrième jour après l'enterrement. Amen. Mais Jésus-Christ connaît les problèmes par lesquels tu traverses. Yes. Il ne sera jamais en retard. Il n'est pas en retard. Voilà qu'aujourd'hui, il est venu au bon moment. Alléluia. C'est l'heure de miracle pour toi qui me suis. Yes. J'ai dit à quelqu'un qui me suit, c'est l'heure de ton miracle. Amen. C'est l'heure de ta délivrance. Dit amen. C'est l'heure de ta délivrance. J'ai dit amen. Tu es attaché à quoi? Aujourd'hui, détaché et attaché à Christ. Oh, alléluia. Merci. Oh, bien, mais nous allons dire ceci. Écoutez, bien-aimé. Écoutez. La Bible dit, entrez dans les villages en face. En fait, il y avait une promesse. Une promesse dans Zacharie chapitre 9 au verset 9. Oh, oh. Oh, alléluia. Zacharie 9, 9. Il y avait une promesse qui devait s'accomplir. Alléluia. Zacharie chapitre 9 au verset 9, la Bible dit: sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, les petits d'Inanès. Donc cette promesse a été déclarée bien avant l'avènement du Seigneur Jésus sur la terre. C'est Zacharie le prophète qui a annoncé qu'un jour, il y aura cette parole qui allait s'accomplir. Alléluia. Que le fils de l'homme montera sur une ânesse, le petit d'un anneau, et d'une ânesse plutôt. Il montera sur un anneau, le petit d'une ânesse, pour rentrer dans Jérusalem. Et il y aura des cris de joie. Mais je vous ai dit que la parole du Seigneur, lorsqu'elle sort, elle est censée s'accomplir. Amen. Cette prophétie devait s'accomplir. Amen. Et Jésus étant l'accomplissement de la parole, il ne pouvait pas passer à côté. Il a dit, il est temps que Zacharie 9 s'accomplisse. Alléluia. Alléluia. Oh. Jésus a dit, il est temps que Zacharie 9, 9 s'accomplisse. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il est temps que la promesse que l'Éternel a dite sur toi s'accomplisse. Alléluia. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas, ce n'était pas hier. Ça ne sera pas demain. C'est aujourd'hui que le guérisseur vient pour accomplir quelque chose dans ta vie. Amen. C'était Zacharie 9, 9. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle promesse pour toi. Le Seigneur va l'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus. Oh, il t'avait dit, tu seras la tête et non la queue. Il t'avait dit, oh, alléluia, que par mes meurtrissures, vous êtes guéri. Il avait dit, il avait dit, il avait dit, il avait dit. Mais aujourd'hui, il avait dit, devient, doit s'accomplir aujourd'hui. Je veux dire à quelqu'un, bien-aimé, là où tu es, alléluia, le Seigneur ne t'a pas oublié. La promesse qu'il avait faite sur toi, cette promesse va s'accomplir. Il y a certains enfants de Dieu qui ne s'attachent à aucune promesse. Il a dit, dans ma maison, il n'y aura pas de stérile. Alléluia. Je ne sais pas, tu t'attends à quoi? Alors lève-toi maintenant. La promesse que Dieu a déclarée, c'est aujourd'hui. Il a dit, entrez dans le village en face, détache-moi. Parce que Zacharie 9, 9 devait s'accomplir. Alors quelle promesse tu attends? Lève-toi là où tu es. Commençons à prier. Par rapport à la promesse que Dieu t'a faite. Que quelqu'un élève sa voix et proclame. Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà la promesse, alléluia. Parce que David avait une triple onction, royale, sacerdotale et prophétique. Et il avait prophétisé que pour nous les enfants du Seigneur, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et il a dit, ma coupe va déborder. Alléluia. Oh, il t'a donné des promesses, bien-aimé. Comment ça prier par là. J'aimerais que quelqu'un proclame sa promesse. Que quelqu'un proclame une promesse qu'il est en train d'attendre. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends quelle promesse, bien-aimé? Proclame-les maintenant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes enfants ont des promesses. Tes enfants s'attendent. Attendent des promesses qu'ils ont entendues un jour. Ils veulent voir l'accomplissement. Seigneur, bien-aimé Père, il y en a, ils ont reçu des prophéties. Il y en a qui ont reçu des déclarations venant des serviteurs de Dieu. Mais ça, c'était lorsque. Mais aujourd'hui, c'est le jour d'accomplissement. Année 2020, année d'accomplissement. Année d'accomplissement des promesses. Mais déclare ce que tu veux voir.
que tu déclares, c'est ce qui arrive. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Si cela arrive, commence à prier. Commence à les déclarer. L'Éternel est mon berger. L'Éternel, il est le roi des rois. Il a dit 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, et tu ne seras pas atteint. Oh, quel est le Goliath qui est devant toi qui ne peut pas tomber? Goliath tombera certainement. Je veux entendre quelqu'un prier. Proclamer que Goliath tombera. Alléluia. Zacharie 9:9 s'est accompli. Jésus est venu accomplir. Le Saint-Esprit est là, bien-aimé, pour accomplir des promesses. Lève-toi, lève-toi. Je veux entendre quelqu'un prier. Je veux entendre quelqu'un prier, bien-aimé. Déclare, déclare, déclare les promesses que tu veux voir. Contre tout autre esprit qui est. Ne t'arrête pas. Déclare les promesses que tu veux voir. Déclare les promesses que tu veux voir. Déclare les promesses que tu veux voir. Déclare les promesses que tu veux entendre. Déclare les promesses que tu veux toucher. Alléluia. Mais il y a un temps pour la déclaration et il y a un temps pour la matérialisation. Il y a un temps pour la déclaration et un autre temps pour la matérialisation. Dis à Dieu, je veux voir tes promesses, Seigneur. Je veux toucher tes promesses, Seigneur. Que quelqu'un prie, bien-aimé. Que tu t'attends à quoi? Alléluia. Oh, alléluia. Il a dit, comme moi je suis saint, vous aussi soyez saints. La sanctification est notre marche. La crainte de Dieu est notre marche chrétienne. Bien-aimé, commence à déclarer. Tu veux quoi, la sanctification? Tu veux le mariage? Tu veux la maternité? Tu veux le travail? Tu veux la guérison? Tu veux la bonne santé mentale, psychologique, physique? Déclare, tu veux la prospérité, parce que l'Éternel dit, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Quelle est la promesse que tu attends, bien-aimé? Alléluia. Il dit, mon serviteur sera élevé. Oh, si tu es serviteur, te réclame l'élévation. Cela est ta promesse. Bien-aimé, commence à prier. N'attends pas, déclare. Déclare, parce qu'il y a un temps, Zacharie a parlé, le Seigneur est venu l'accomplir. Alléluia. Tout ce que le Seigneur t'a déclaré, le Saint-Esprit en toi, maintenant c'est le temps d'accomplissement. Le temps d'accomplissement. Nous sommes en 2020. Le Seigneur nous avait dit l'année d'accomplissement. Bien-aimés, ne regarde pas ce qui se passe. Ne regarde pas le climat économique. Ne regarde pas le climat sanitaire. Ne regarde pas ces choses. Toi, lève tes yeux vers l'Éternel. Oh, il a dit qu'il accomplit toujours ce qu'il a proclamé. Bien-aimés, proclame. Commence à dire, Seigneur, je veux voir l'accomplissement. Je veux voir l'accomplissement. Bien-aimés, ne sois pas comme les enfants de Dieu qui n'ont aucune promesse. Je veux voir l'accomplissement sur mon ministère. Je veux voir. Dis à Dieu, je veux voir quelque chose. Alléluia. Il est temps que mon église vive. Oh, dis à Dieu, je veux voir quelque chose. Vive l'accomplissement de ses promesses. Il est temps que les serviteurs de cette assemblée vivent l'accomplissement de leurs promesses. Prions le Seigneur. Il est temps que nous, tes serviteurs, vivons l'accomplissement de tes promesses. Oh, Yahweh, il est temps que nous vivons selon la crainte de l'Éternel. Nous voulons une vie digne de serviteur de Dieu. Nous voulons une vie digne de toi, Seigneur. Nous voulons une vie spirituelle digne de toi. Oh Seigneur, nous voulons, Seigneur Jésus, tu as pris l'engagement envers tes enfants. Tu as pris l'engagement de la promesse que tu veux. Promesse. Tu as pris l'engagement, Seigneur, à ce que tes promesses s'accompliront toujours. Tu m'as dit, Seigneur, mes promesses s'accompliront toujours. Tu as fait cet engagement. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi comme promesse? Il est temps que les promesses s'accomplissent dans le cœur de tout un chacun. Il a dit à Abraham, ta progéniture, ta descendance possédera la pomme de ses ennemis. Cette promesse doit s'accomplir dans ta vie, bien-aimé. Ne sois pas un enfant de Dieu qui ne s'accroche à aucune promesse. L'Éternel nous a donné des promesses. L'Éternel nous a donné des promesses et ces promesses doivent se concrétiser. Alléluia. Oh, alléluia. La Bible déclare au commencement était la parole était avec Dieu et la parole. Et cette parole a été faite chair. Les promesses de Dieu doivent devenir chères dans ta vie. Que les gens te voient, ils disent la promesse s'est accomplie. Alléluia. Oh, bien, mais déclare cela. La promesse. La promesse. Pierre demandera au Seigneur une fois. Il dit, Seigneur, nous avons tous les et nous t'avons suivi. Que gagnerions-nous en retour? Il a dit, Pierre, cherchez premièrement le royaume des cieux. Alléluia. Yes. Et toi, tout le reste vous sera donné par-dessus. Bien-aimé, si réellement tu t'attaches au Seigneur, sache que les bénédictions viendront. Sache que tu auras de maison, tu auras de mari, tu auras un mariage, tu auras des enfants, tu seras en bonne santé. Parce qu'il a dit, cherchez premièrement, et toute la suite viendra. Oh, alléluia.
Oh, alléluia, j'appelle cela des bénédictions annexes. Amen. Des bénédictions qui s'accordent, qui s'attachent à la bénédiction principale qui est le ciel. Oh, oh, demande à Dieu cela. Dis à Dieu, papa, j'ai besoin de cette promesse dans ma vie. J'ai besoin de cette promesse dans ma vie. Attache-toi à tes promesses. N'abandonne pas tes promesses, bien-aimé. Au nom de Jésus. Si ça tarde, attends-la comme Habakkuk. Et aujourd'hui, c'est l'accomplissement. Amen. Cette année, c'est l'année d'accomplissement 2020. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Parce que écoutez encore, la Bible dit ceci. Oh, merci, Jésus. Alléluia. Au verset 31, la Bible dit, si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Amen. 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 Le Seigneur en a besoin. C'est la réponse qui a fait en sorte que le maître de l'anneau ne s'oppose plus. Alléluia. Si c'était une autre réponse, ils allaient peut-être dire, mais non, on ne lâche pas l'anneau. Yes. Mais la réponse était que le Seigneur en a besoin. Amen. Dans Matthieu, il est dit, les maîtres de l'anneau posèrent la question, pourquoi les détachez-vous? C'est-à-dire que des fois, mais peut-être ce soir, tu as d'autres maîtres. Tu as le maître, je ne sais pas quel maître tu as dans ta vie ce soir. Peut-être tu as comme maître la franc-maçonnerie. Peut-être tu as comme maître les akankars. Je ne sais pas, la rose-croix, tu as comme maître la sorcellerie, les démons de ta famille ont encore le dessus sur toi. Mais je te présente ce soir le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est le Seigneur des esprits de toute chair. Il est le Seigneur des esprits de toute chair. Donc peu importe le maître qui est en toi, aujourd'hui ils doivent te lâcher. Aujourd'hui ils doivent te lâcher. Et je prie maintenant que tu sois détaché de tout autre maître. Et que tu t'attaches au Seigneur. Mais tu commences à prier pour ta délivrance. Tu t'attaches au péché. Tu t'es attaché à la masturbation, à l'adultère, à l'impudicité, à la pornographie, au mensonge. Aujourd'hui, c'est la fin de ces choses. Détache-moi, parce que le maître en a besoin. Au nom de Jésus, le Seigneur Jésus a besoin de toi. Que tes petits maîtres te lâchent. Que tes petits maîtres te lâchent. Au nom de Jésus. Mais j'aimerais entendre quelqu'un prier. Oh mon esprit, j'aimerais s'accorder à quelqu'un. J'aimerais s'accorder à quelqu'un maintenant. Si tu es connecté, commence à dire Seigneur, détache-moi. Détache-moi de l'impudicité, du mensonge. Détache-moi des esprits de famille, de toute puissance héréditaire. Détache-moi parce que tu as besoin de moi. Jésus a besoin de toi. Aucun esprit ne résistera ce soir. Parce que Jésus a besoin de toi. Enlève-moi de l'eau. Ne t'arrête pas, bien-aimé. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Déclare-le. Oui, déclare-le. Déclare-le. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De la cigarette. Au nom de Jésus. Je te détache de débauche. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Au nom de Jésus. Que ta volonté dans la vie d'un frère. Que ta volonté dans la vie d'une sœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as besoin de nous, Seigneur. Nous sommes un peuple qui répondons présent. Alléluia. La cité du Dieu vivant répond présent. Oh, nous répondons présent. Nous répondons présent. Au nom de Jésus. Seigneur, nous nous livrons à toi. Alléluia. Détache-nous. Détache-nous. Toi, le maître de tout esprit. Dans le nom toi, de Jésus. Toi, le maître de tout esprit. Toi, tu es le Seigneur de tout esprit, Seigneur. Tu es au-dessus de tout, Jésus. Alléluia. Enlève ces esprits en nous. Alléluia. Enlève ces esprits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh. Je veux dire à quelqu'un de lever la main. Je vais prier pour toute dépendance. Toute dépendance, peu importe laquelle. Toute dépendance à l'alcool, à la débauche, au désordre sexuel, à la drogue, peu importe son rang. Toute dépendance. Bien, mais lève ta main. Toute dépendance. Je déclare toutes sortes de dépendances. Au nom de Jésus. À la pornographie. Alléluia. Au aux séries télévisées qui ne glorifient pas Dieu. Toutes sortes de dépendances, j'ai dit bien. La dépendance. Tous ceux qui prennent la place de Christ dans ta vie. Au nom de Jésus. Lève bien ta main droite au ciel. Alléluia. Oh Jésus, je lève ma main maintenant. Seigneur, à ma qualité de ton serviteur, je lève ma main maintenant. Et je suis en train de prier.
de prier pour quelqu'un maintenant. Toi qui es connecté, ferme tes yeux, lève bien ta main droite. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur va te détacher de toute dépendance. Toute dépendance au péché, à la pornographie, à l'homosexualité, à la débauche, à l'alcool, à la drogue. Je déclare à toute forme de films qui ne glorifient pas Dieu, à des séries télévisées qui ne glorifient pas Dieu. Je déclare ce soir, je mets un stop à ces choses au nom. Je déclare que tu es libre. Tu es libre de toute dépendance. J'implore la puissance du Saint-Esprit maintenant. Seigneur, quelqu'un là où il est dans sa maison. Ce dimanche, j'ai prié. Mais nous savons que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Seigneur, que quelqu'un soit délivré. Ce dimanche, je dois prier pour ceux qui étaient là. Seigneur, je lève ma main. Je suis en train de briser tout lien avec le monde, tout lien à toute dépendance. Je parle d'une quelconque dépendance. J'ai dit la dépendance à la drogue, la dépendance à l'alcool, la dépendance au nom de Jésus. Je brise toute forme de dépendance. Je déloge cela de ta vie au nom de Jésus. Et qu'à la place, ta dépendance soit plutôt à la parole du Seigneur. Sois dépendant de la parole de Dieu. Sois dépendant de l'adoration. Sois dépendant. Oh, sois qui est dépendant de la musique mondaine, de cette musique qui ne glorifie pas Dieu. Alors que tu pries, alors que tu fréquentes une église, mais tu es dépendant de la musique du monde, des hormones de dépendance en toi. Je déloge cela à la place, la dépendance au chant qui loue Dieu, au cantique qui bénit l'Éternel. Je déloge toute forme de dépendance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Père. Que les chaînes de la dépendance tombent. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus, rien ne résistera. Que les démons te libèrent là où tu es dans le nom de Jésus. Alléluia. Je déclare cela. Oh, bien-aimé, je déclare cela. Et maintenant, nous allons prier pour toute forme d'hérédité. Toute forme de démons héréditaires. Parce que la Bible dit, le Seigneur en a besoin. Il a besoin de toi aujourd'hui. C'est toi la nom que le Seigneur désire. Parce qu'il a besoin de toi pour bénir quelqu'un. Il a besoin de toi pour accomplir une promesse. Une promesse qui a été déclarée. Toi qui es stérile, toi qui veux te marier, toi qui as des soucis. Le Seigneur dit ceci, qu'il a besoin de toi. Il veut accomplir une promesse sur ta vie. Il veut accomplir une promesse sur ta vie. Il veut accomplir une promesse sur toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Commence à prier partout pour toute forme de puissance héréditaire. Commence à prier. Commence à prier pour toute forme de puissance héréditaire. Nous détruisons tout démon de l'hérédité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur là où nous sommes. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Prions le Seigneur notre Dieu. Oh Jésus de Nazareth. Prions le Seigneur notre Dieu. Déclare. Brise cela. Alléluia. Alléluia. Brise cela. Des maladies héréditaires. Des malédictions héréditaires. Alléluia. Oui, que l'obscurité se dissipe afin que la lumière brille. Là où il y a la lumière, il n'y a pas cohabitation entre la lumière et les ténèbres, mon frère. Non, cela doit tomber dans le nom de Jésus. Oh, nous déclarons cela. Tu es libre. Tu es censé être un nom qui est libéré des chaînes du diable. Libérer les chaînes de ce monde. Libérer les chaînes de ce monde. Au nom de Jésus, bien-aimé. Ce n'est pas parce que ton papa n'a pas réussi que toi, tu ne réussiras pas. Ce n'est pas parce que ton papa a divorcé que toi, mon frère, tu dois aussi vivre dans le divorce. Non. Ce n'est pas parce que ta maman n'a pas eu d'enfant ou il a été chez les féticheurs pour avoir un enfant que toi aussi, tu dois avoir un enfant via les féticheurs. Non. La parole de Dieu ne me dit pas cela. La Bible dit qu'il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, viens briser. Nous brisons cela, nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Alléluia, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi parce qu'il veut accomplir une promesse. La promesse qui dit qu'il n'y aura pas de stérile dans ma maison, il veut l'accomplir dans ta vie. Alors il a besoin de toi. Oh, il a besoin de toi. Il a dit, l'homme mangera la sueur de son front. Toi qui es au chômage, le Seigneur t'appelle parce qu'il veut te donner un travail pour accomplir sa parole.
Il est là pour accomplir sa parole. Il est là pour accomplir sa parole. Lève-toi, déclare l'accomplissement des promesses. Nous brisons tout ce qui est héréditaire. Toute malédiction héréditaire. Oh, alléluia. Toutes les formes des paroles déclarées sur ta vie. Au nom de Jésus. Peu importe l'origine de ton combat. Aujourd'hui, alléluia. Oh, cette requête me vient à l'esprit. Et toi qui me sais, c'est comme ça que Dieu me parle. Je suis en train de dire à quelqu'un. Nous allons aller à la source aujourd'hui. Oh Jésus, merci. Quelqu'un qui nous suit là en ce moment, ta vie n'est pas dans les problèmes. Les enfants d'Israël ont dit à Élisée, dit, le séjour de la ville est agréable. Peut-être que tu vis bien, tu es bien, mais à la source, il y a quelque chose qui ne va pas, qui pourrit la ville. Dans la ville, il n'y avait pas d'eau à boire, parce que la source était polluée. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons assainir la source. Alléluia. Mais il y a quelque chose, tout va bien, mais il y a toujours quelque chose d'important aussi, qui est vital, parce que l'eau, c'est la vie. Les enfants d'Israël, en ce moment-là, tout allait bien. Mais la source, l'eau était polluée. Ils ont dit, le séjour ici, ça va. Mais il y a des maisons où tu rentres, tout va bien. C'est comme la femme tsunamite. Elle dit, tout va bien. Mais ils n'avaient pas d'enfants. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais oui, dans ta vie, peut-être tu as une belle voiture, tu as une maison, tu as ceci. Mais il y a quelque chose qui ne bouge. J'ai dit que cette requête-là est pour quelqu'un. Et pour quelqu'un qui est connecté ce soir. Tout va bien pour toi. Mais nous allons aller à la source. La femme sur la mine t'a dit tout va bien, je n'ai besoin de rien. Oh, Géasi a dit, tu ne vois pas qu'elle n'a pas d'enfant. Mais ça se peut que tu n'as pas d'enfant. L'enfant que tu cherches, je ne sais pas c'est quoi. Alléluia. Mais nous allons prier, assainir cette source. Cette requête n'était pas prévue, bien-aimé, mais c'est pour toi. Commence à prier maintenant. Commence à demander ce qui ne va pas là. La chose que tu as commencé à oublier, tu dis, je vis avec de toute manière, je vis avec. Même si tout va, ça va d'ailleurs, mais ça, bon, je vis avec, ça ne va pas changer. Non, non, non. Aujourd'hui, la chose en question va changer. Au nom de Jésus. Modèle, oui, tu viens à l'église, tu sers Dieu, mais tu vis dans la masturbation. Tu dis, je vis avec, je demande pardon, mais ça ne va pas. Aujourd'hui, il y a une source, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi tu continues. Alors nous allons assainir la source. Au nom de Jésus, nous allons purifier ta source. Avec ton sang, je viens assainir cette source. Au nom de Jésus. Que ton sang purifie ma vie. Que ton sang purifie ma vie. Oh, je voudrais dire à quelqu'un qui reconnaît cela. Au nom de Jésus, Seigneur, viens. Seigneur Père, je prie pour cela. Oh, viens. Tu vis bien, tu es bien, ta vie, tout est ok. Mais il y a quelque chose qui ne va pas et tu vis avec. Ce n'est pas normal. La femme tsunamite vivait avec. Je n'ai pas d'enfant, mais mon mari a l'argent, nous sommes bien, nous vivons bien. Non. Aujourd'hui, ne t'habitue pas à ce qui est contraire à la promesse de Dieu. Tu ne peux pas t'habituer à ça. Tu vis des relations compliquées. Tu ne peux pas t'habituer à ça. Au nom de Jésus, je viens aujourd'hui mettre fin à cela. Nous mettons fin à cette habitude. Je mets fin à cette vie. Je viens ôter ce qui ne va pas dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, sois béni. Alléluia. Alléluia. L'heure nous fait défaut. Et nous allons prier pour quelque chose. Parce que lorsque on a dit détachez-les, mais il faut attacher-les à moi. C'est-à-dire que Christ doit monter sur toi. Afin que tu dises comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Oui, bien-aimé. Dieu t'a détaché, mais il veut t'attacher à lui. Fais cette prière maintenant avant qu'on ne clôture. Dis à Dieu, Seigneur, je veux m'attacher à toi. Je veux m'attacher à toi. Je veux m'attacher à toi et à toi seul. Je veux, Seigneur, te parler à toi et à toi seul. Je veux, Seigneur, Père éternel, Tout-Puissant, que tu prennes place dans mon cœur, que tu règnes sur moi. Viens monter sur moi, Seigneur. Viens monter sur moi, Seigneur. Je veux que tu montes et que tu vives en moi désormais. Au nom du Seigneur Jésus, lève-toi et commence à prier maintenant au nom de Jésus. Viens, Seigneur. Prions le Seigneur. Viens, Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh, majesté, viens ce soir, Seigneur. Toi qui m'as détaché, Seigneur, je viens vivre ta volonté.
Seigneur, je viens vivre ta volonté, Seigneur Dieu. Tu m'as détaché, je veux m'attacher à toi désormais. Désormais, je veux n'être qu'à toi, Seigneur. Désormais, ma vie ne veut être qu'à toi, Seigneur. Je ne veux appartenir à aucun autre esprit que ton esprit dans ma vie. Seigneur, je déclare mes enfants t'appartiennent. Seigneur, je déclare ma famille t'appartient. Seigneur, je déclare la cité du Dieu vivant t'appartient. Toi, tu es la source de vie. C'est toi la source de la cité du Dieu vivant. Je déclare cette assemblée s'attache à toi. Je déclare que toi qui es connecté, les foyers qui sont connectés ce soir, attachés à Christ, attachés à Christ, attachés à Christ. Ta vie est attachée à Christ au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Détaché et attaché à Christ. Les liens sont tombés et attachés à toi désormais. Oh Seigneur, toi qui me suis, toi qui es connecté, j'élève ma voix vers le Seigneur et je déclare que tu es attaché à Christ. Oh. Alléluia, comme l'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à Christ. Détaché de la vaine manière de vivre. Alléluia. Détaché des puissances héréditaires. Détaché de toute dépendance. Détaché de tout ce qui ne va pas dans nos vies et attaché à Christ. Oh. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci de partager ce moment avec vous. Merci pour cet honneur que tu nous fais ce soir de pouvoir être à l'église. Merci pour cette prière de Je vais dire à quelqu'un, toi qui es concerné par ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout va bien dans ta vie. Tout va bien. Mais tu es habitué avec quelque chose que tu sais que ce n'est pas bien. Que tu sais que ce n'est pas de Dieu. Ça ne marche pas dans ces domaines-là. Mais tu dis, je vis avec d'ailleurs, ça va. Je suis en train de te déclarer, de déclarer sur ta vie une délivrance aujourd'hui. Crois-moi. Crois-moi. Toi qui te reconnais dans cette situation, je suis en train de dire que le Seigneur t'a délivré aujourd'hui au nom de Jésus. Désormais, lève ta tête et vis. Amen. Lève ta tête et glorifie le Seigneur. Lève ta tête et glorifie le Seigneur. Au nom de Jésus. Car chaque chose a une fin. Chaque chose a une fin. Tu dois prospérer à tous égards. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Incline ta tête, incline ta tête. Remercie le Seigneur pour ce moment. Seigneur, je bénis ton nom, je te loue et te remercie parce que tu es là, tu es Dieu. Parce que tu es là, tu es Dieu. Parce que tu as régné, parce que tu as parlé, parce que tu t'es glorifié, parce que tu as délivré, parce que tu as, Seigneur, déraciné tout ce qui n'est pas de Dieu. Et Père éternel, je suis en train, oh, de les attacher à toi et à toi seul. Oh, Saint-Esprit de Dieu, monte sur quelqu'un, règne dans la vie de quelqu'un, au nom du Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom. Sois avec ton peuple, Seigneur. Sois avec ton peuple, Seigneur. Couvre-le de ta grâce. C'est un jour merveilleux où tu nous as détachés et tu nous as attachés à Christ. Ta délivrance est certaine ce soir. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié, Père. Nous t'avons ainsi glorifié, Jésus. Reçois toute la gloire, reçois nos remerciements au nom du Seigneur de gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, soyez en paix chez vous, une nuit bénie et que nous nous retrouvons en ce lieu encore le vendredi pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen, amen.